What's up, guys? What's up, you guys? Welcome back today. I am super excited. C'est bon, je l'ai dit. Et oui, il fallait une intro en anglais. Alléluia. Hello à tous. On espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo avec ma copine d'amour Tissa qui est venue me rendre visite. Et on s'est dit qu'aujourd'hui ce serait cool de faire la vidéo Beauty Awards, tous les produits qu'on a adorés durant cette année 2018. Le monde de la beauté nous appartient aujourd'hui dans cette vidéo et je suis contente de faire cette vidéo avec Tissa. Vous ne l'avez jamais vue sur ma chaîne, vous la verrez je pense plus souvent. C'est en exclusivité que je l'ai à la maison parce qu'elle habite pas à côté. Oui, j'habite pas la porte à côté. J'ai fait du chemin mais je suis arrivée à bon port. Ah, ça t'as bien trouvé quand même. Hein. Bah, merci les GPS. Heureusement que les GPS existent. Bon, comme vous pouvez voir, c'est une beauté. Elle est toute belle. Elle est vraiment en beauté. Et on est contente, voilà, pour faire cette vidéo Beauty Awards. Accrochez-vous, installez-vous bien, prenez-vous ce que vous voulez, popcorn ou quoi. Nous, c'est pas popcorn. Chocolat. On va prendre. Nous, c'est chamallow. Voilà. On s'est dit que après les sushis, ça passait bien. On s'est dit, ouais, on n'a pas trop mangé oui, gras. C'est assez léger les chamallows. Ouais, moi bah, je trouve, c'est marqué. On a bonne conscience. Colorant d'origine. Gluten. En plus. Attention. Attention. Sans gluten et colorant d'origine naturelle. Mais oui. On a le droit à une petite douceur pendant cette vidéo. Bon, sans plus tarder, on va commencer par pas mal de produits de make-up. Elle a aussi ses produits à vous présenter et on passera aussi niveau soins. Donc comme je vous disais, installez-vous confortablement. Je pense que cette vidéo va durer je ne sais pas combien de temps, mais même si elle dure 30-40 minutes, on s'en fiche. Ou deux jours. Ou deux jours. Sûrement. Peut-être qu'on fera un tome 1, un tome 2. Peut-être. Voilà. On est parti. Allons-y. On est parti pour les Beauty Awards 2018. Et ben. Et ça promet. Ouais, ça, ça promet. Elle a dû faire du tri, je te dis pas. Je pense qu'elle a plus que moi-même. Et encore. Alors, on est parti. Je vais prendre sa petite boîte, c'est ça? Allons-y. Écoute, j'ai essayé de trier un peu. On va commencer par les palettes de make-up. On va commencer déjà par ça. On fera highlighter, fond de teint, faites nos favoris. Qu'est-ce que t'as, toi, en palette que t'as adoré, ma belle? Alors, en palette, bon, forcément. Comme beaucoup de monde, la New Nude de Huda Beauty. New Nude, magnifique. Moi, je sais pas toi, je l'ai adorée par rapport aux autres qu'elle a fait. Après, je dis pas, les autres, elles sont extraordinaires. Hein, mais celle-ci, elle a quelque chose. Quand même. J'ai trouvé que la première et la deuxième étaient similaires. Mais celle-ci, les rosés, les couleurs, voilà, la pigmentation de dingue. Mais moi, ça a été une de mes préférées. Ouais, moi aussi. Et puis, elle a inclus une base. Ça, c'était pas mal. Aussi. Bon, elle peut vite être caca doigt parce que comme t'as les fards à côté. Regarde. Hein, toi aussi. Mais ça, c'est ma chouchoute. Moi, j'aime trop la New Nude. Et moi, c'est pareil. Huda, c'est The Queen. Hein. Un best, The Queen, elle est forte, mais pour tout, pour tout. Ah, Huda, tu nous fais rêver. Les concealers, voilà, Huda. Merci, Huda. Qu'est-ce que t'as d'autre en palette? Alors, j'ai la Sultry. Ah, bah, les canons, d'Anastasia, donc magnifique, même le packaging tout pailleté, c'est juste canon. C'est une tuerie ce qu'elle fait. Et les couleurs, donc moi, c'est des couleurs qui me conviennent parfaitement. T'as des marrons, ça c'est pas mal ça. Donc, pour eux, ça se travaille super facilement, il y a des belles couleurs, et même quand t'as une petite soirée ou quoi, il y a des couleurs assez festives. Elle est super. Voilà, cette palette. Magnifique. Bah moi je te rejoins ma poulette. Moi j'ai la Norvina. Voilà. Tu l'avais prise celle-ci ou pas? Non, je l'ai pas. Je vais voir. Elle est canon. La Norvina, c'est une de mes préférées. Vous savez, j'aime me maquiller en marron. J'aime aussi le violet. Puis là-dedans, vous avez du rose. Regarde comme j'ai creusé celui-là, le Wild Child. Tu l'as mangé. Ouais, c'est une tuerie. Franchement, je te la recommande parce que t'es brune comme moi. C'est des pareil. Très belles couleurs. Hein. C'est des belles très belles. Moi honnêtement, je dis que les palettes d'Anastasia, c'est un level là au-dessus. Avec Huda, même Too Faced. Anastasia, elle est très très forte pour les fards. Ils s'estompent super bien. Je trouve qu'ils ont une excellente tenue et je trouve qu'ils glissent. Honnêtement, je sais pas ce que t'en penses. Oui, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Des packaging. Voilà, moi je suis méga fan. T'as autre chose en petite palette, toi? Alors j'en ai une petite dernière, donc j'ai été agréablement surprise par Zoeva, la Coco Blend Voyager. Voilà, donc c'est des couleurs un petit peu dans le même style, hein. C'est du nude, du marron. Donc j'aime beaucoup, la texture est agréable, facile à travailler. Voilà. Et elle coûte super pas cher. Mais Zoeva, c'est une très bonne marque. Hein. Ouais, je pourrais pas te donner le prix, mais vraiment pas cher. Attends, mais je savais pas qu'ils étaient en petite palette, ouais, comme ça, regarde, moi je les ai vues. Test-là, elle est vraiment canon. Oh, elle est trop beau, le fard, je vais me les prendre, celle-ci. Il y a la caramel, je ne sais plus quoi. La caramel, elle est beaucoup marché en grand. Ouais, merci. Tu l'as pris où, celle-ci? C'est Fora. Le cœur de la beauté. Tu veux un chamallow? Oui, merci. Sans gluten? Sans gluten, sans colorant. Colorant naturel. Qu'est-ce que j'aime, moi? Les chamallows. Ouais, c'est toute notre vie, les chamallows. Enfin, toute ma vie, je vais m'étouffer avec, moi. Oui, je sais.
Autre palette que j'ai adoré, je sais pas toi, les Huda Beauty, donc les Obsession, ouais, elles ont toute une panel en fait de petites palettes comme ça, c'est une tuerie. Déjà vous pouvez les emmener partout. Moi je trouve que les fards travaillent super bien. Tu l'avais pas celle-ci? Non, je l'ai pas. La Topaz, c'est une tuerie. En tout cas, moi j'ai la mauve, j'ai la électrique et tout. C'est vraiment une réussite. Ces petites palettes là, pas trop chères, et ça franchement je te la recommande ma belle. Ouais. Si tu les as pas testées. Pour voyager aussi. Mais ouais, c'est clair. C'est pratique. Ou t'as la mauve, tu peux choisir ou quoi. Ouais. Vous savez que je suis une amoureuse de Tarte cosmétique. Du reste, ça arrive en France d'ici prochainement, je pense d'ici février. Ça c'est vraiment mes chouchoutes, des teintes ça. Mm. Voilà, Tarte c'est vraiment des palettes que j'adore. Palette de chez Tarte, j'en ai pas mal. Ça c'est ma chouchoute. Super. Et ça, je sais pas toi, je la porte aujourd'hui, je l'ai ressortie. J'aime trop les palettes chez Too Faced, vous savez que je suis amoureuse de la marque. Et notamment les petites Natural Matte, celles-ci. Et je trouve que c'est vraiment des palettes pour tous les jours. Et les fards sont juste top. Toi t'aimes bien ces teintes là aussi, t'es comme moi, tu portes bien. J'aime beaucoup le marronné comme ça, c'est super joli. Des couleurs un petit peu nude aussi. Et puis les fards, ils s'estompent super bien quoi, ils travaillent super bien les fards. On va passer au fond de teint. Allez, c'est parti. C'est le Dior Skin Star Teint Studio Lumière Spectaculaire Perfection sans matière. Donc celui-ci, je l'adore. J'ai essayé beaucoup de fonds de teint. J'ai eu du mal à trouver le fond de teint qui me convenait. T'aimes quoi comme fond de teint? Couvrance comment toi? Quand même moyenne. Comme moi alors, voilà, modulable. Modulable, ouais. C'est ça. Ici, je l'ai testé aussi. Voilà, tu l'aimes bien? J'ai bien aimé. Il est super. Et le Dior là, tu sais, ça fait combien de fois que tu le reprends celui-là? 4 fois le... Oui, j'ai pas testé le Star, je devrais tester. J'aime beaucoup et il a une très bonne tenue. Je trouve qu'il... Tu sais qu'il devient pas, qu'il s'oxyde pas. Il s'oxyde pas, c'est super important. Backstage. Les backstage, ça a fait un carton et je trouve qu'ils sont très bien. Par contre, c'est une couvrance très légère, donc voilà, c'est imperfection, c'est pas recommandé à tout le monde. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors sinon, tu me montres ton fond de teint. Moi, j'ai le Nars Éclat Naturel Longue Tenue. Je sais pas toi, mais c'est un de mes préférés de chez Nars. Il est très bien et j'avais celui-ci que je mélangeais avec ça justement. Je sais pas si tu connais Liquid Bronzer, donc fluide bronzant. Ah, tu sais quoi, je testerai, je l'ai pas testé. Il est un petit peu pailleté, tu sais. Ouais. Il est super. Ça donne un glow en fait au visage. Ça donne un glow, un effet un petit peu plus bronzé. Ouais, top ça, je testerai. Ouais, moi je cumule toujours, je sais pas si ça le fait, mais moi je mets toujours des gouttes d'éclat avec mon fond de teint. Ça, c'est devenu ma routine de tous les jours. Je le fais depuis peu de temps parce que tu me l'as conseillé et franchement, contente et ça y est, je suis addict au fond de teint mélangé avec ça change le goût. Lumière, c'est magnifique. Et ça te donne un éclat tout de suite. T'as vu tout de suite, c'est ça, tout de suite. Tout de suite, tu rayonnes. Tu rayonnes. Bon, maman, j'ai mangé mon Peach Perfect, hein, je m'en suis racheté encore un autre. Je l'adore, enrichie à la figue et à la pêche. C'est la gamme Peachy. Oh là là. Tu te manges. Je l'adore trop. Hein. Et tu l'as jamais pris celui-là? Non, je l'ai jamais pris. Et bah, je te le recommande. T'as une couvrance, bah, comme tu vois, bah, t'as pas une peau imperfection, toi. Donc, tu peux te permettre de le prendre. Il est génial. Franchement, c'est une tuerie. Une tuerie. Ouais, mais deux fonds de teint, en fait, du moment, là. Qu'est-ce que t'as d'autre? Tout en fond de teint, moi, j'ai. C'est bon, fond de teint? Allez, highlighter. Qu'est-ce que t'as en highlighter? Donc, j'ai Becca, l'highlighter de chez Becca. Celui-ci, c'est le Opal. Opal, voilà, donc c'est Charlène qui me l'a fortement conseillé. Non, il est génial. Et il est génial. Je le porte d'ailleurs aujourd'hui, je le porte pratiquement tous les jours. Pardon. C'est avec la paille. Voilà. Désolée. C'est un highlighter que j'adore et il a une très bonne tenue aussi. C'est les meilleurs. Becca, ils sont très forts pour le teint. Tu le mets le matin, le soir, t'en as toujours. Ah ouais, voilà, tu t'as pas besoin de retouches. Hein. Le soir, dans la nuit, on te voit. C'est qui? Okay. Ah, c'est Tissot, on l'a vu, c'est bon. Fluorescent. Non, franchement. Bah, c'est comme l'épisode de Friends. Tu l'as vu avec Ross? Non, je l'ai pas quand vu. Il a fait son blanchiment dentaire. Ah non, je l'ai pas vu. Il était fluorescent dans le noir. C'est bien ça. Voilà. Petit clin d'œil. Ah non, j'ai pas vu. Ah, tu regardes beaucoup Friends, toi. Oui, mais j'aimais bien Friends. Ah, pas toi? Non, j'en ai plus. Regardez aussi longuement, mais bon. Becca, je te rejoins pour les highlighters. C'est une tuerie. De toute façon, Becca, comme je disais, sont très forts pour le teint. Highlighter et blush, pigmentation de dingue. Alors moi, j'ai le Anastasia. Je fais que de le mettre. Un Ramsey. Ah, je le connais. Il vient de ressortir chez Sephora. Il était en exclusivité. Il était après en rupture. Après, ils l'ont ressorti là. Il est génial. Il est pigmenté de dingue. Franchement, teste-le, tu le testes. Super joli, je peux. Ouais, vas-y. Et t'as un autre highlighter ou pas? Non. T'es quoi? T'es plus doré? T'es plus rosé? Ça dépend doré. De lesquels que tu fais. Doré. Rosé, j'aime pas. Je suis beaucoup plus doré. Pourtant, des rosés, t'en as des beaux aussi chez Becca. Tu regarderas même quand, selon comme t'es maquillée, c'est chouette aussi. Bon, là, voilà, c'est nos en routines. En tout cas, quoi. Tous les jours, j'aime le doré. Voilà, vu que je suis assez mat de peau. Ouais, on peut se permettre. C'est ça. Bah, moi, j'ai la palette de chez Glam Glow. Elle est récente, mais franchement, elle fait partie de mes Beauty Awards. Elle est juste canon. Je la surkiffe. Regarde. Et le packaging est magnifique. Aussi. Regardez, tout en silicone, je l'aime trop. Je suis toujours en train de se dire. Je fais tous les produits, je sais pas, je toi, je suis une dingue. Tout. J'aime trop. Hyper pigmenté, c'est une réussite cette petite palette. Je l'aime vraiment beaucoup et franchement, Glam Glow, là, ils se sont mis un petit peu dans le make-up. Hein, je crois que c'est leur première palette de make-up qu'ils font en highlighter parce que c'est plutôt tout ce qui est masque et tout. Mm-hmm. Et j'adore ça. Comment s'entrer petit à petit dans le make-up, c'est bien. C'est pas mal ça. Bien parce que franchement, ils font des bons produits. Hein. Carrément. T'as autre chose ton highlighter? Highlighter, non, j'ai plus rien. J'en ai plus, moi. Regarde. Bon, après, j'ai utilisé longuement la.
la Anastasia Beverly Hills, la palette, tu sais, avec les 4 highlights. Oui. Donc elle est canon aussi, celle-ci. Elle est bien aussi. On a trop de choix. Voilà, trop de choix. Ah, est-ce que tu as des poudres matifiantes? Oui. Ah. Oui. Donc, poudre matifiante, mon best. C'est celle de Fenty Beauty, voilà, la Universal. T'aimes quoi dans cette poudre? Bah écoute, je trouve qu'elle matifie bien ma peau justement, ouais. Je suis assez difficile, j'ai essayé celle de NARS, j'ai essayé celle de Guerlain. Ah Guerlain, non, je t'ai pas dirigée là-dessus moi. Guerlain, elle est pas mal, mais j'ai l'impression qu'elle s'estompe vite. D'accord. Mais la Fenty, toute la journée, j'ai la peau matifiée toute la journée grâce elle à elle a fait une super poudre. Belle palette. Franchement, pour les peaux métisses, voilà. C'est une durée, en plus elle est invisible. Fenty, j'aime pas tous les produits. Ouais, un peu comme toi, ouais. Dans cette gamme, il faut bien sélectionner, mais il y a des très 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 bons produits comme celle-ci. Enfin, moi je la recommande. Et puis t'en as pour un moment alors. C'est ça. T'en as une autre ou pas? J'ai la NARS. La NARS? Voilà. Tu joues entre les deux? Je joue entre les deux. La NARS, elle est pas mal d'ailleurs. Je l'ai. Ah ah. Je l'ai, non, c'est pas celle-ci. Je vous dis qu'il n'y a pas que moi qui ai beaucoup de choses. C'est une catastrophe. Hein. Bon, elle doit être quelque part. Bon, elle doit être quelque part, mais. Elle est où? Mais je l'ai mangée! Je l'ai mangée! Ah oui, tiens! Tu vois? Celle-ci. Translucence. Ah ouais, j'ai jamais pris celle-ci. Ah ouais, elle l'a mangée, tu peux montrer. Je l'ai mangée. Ouais. Tu vas la reprendre ou pas? Elle est canon. Oui, je vais la reprendre. Ah, je la testerai. Elle est très bien. J'ai jamais testé celle-ci, tu vois? Elle est très bien. Mais tu vois, avec la Fenty, toutes les deux, ce sont mes bestes. J'ai quoi en poudre matifiante? Alors moi, j'ai adoré la Peach Perfect. Tu l'as pas testée? Je l'ai testée. Elle est géniale. Elle te floute. J'adore cette poudre. Et franchement, c'était une réussite. Oulala. Et t'as fait un petit peu, toi, pas blanc. Blanc, j'aime bien la texture, j'aime bien la couleur. Ça reste un peu coloré. Ah, j'adore, franchement, j'adore. Ça fait, toi, ça fait un moment. Hein. Franchement, cette poudre là, je l'ai surkiffée. De toute façon, les poudres matifiantes qu'il a fait, Too Faced, je trouve que c'était une réussite. Ouais, mais Too Faced, on aime beaucoup de produits. Et j'ai également donc celle de chez Huda. J'ai adoré. Et Becky. Je veux la tester celle-ci. Ah, tu l'as pas testée? Non, je l'ai pas testée. Je voulais la tester. C'est the best. Je l'ai en teinte Banana Bride et je trouve qu'elle est vraiment fantastique cette poudre. Parce qu'il y a combien de teintes dans la gamme? Je crois qu'elle en a fait... deux. Hein. Elle... Non, plus que ça. Voilà, plus que ça, elle a fait pour tout, presque toutes les teintes. Non, plus que ça. Et je l'adore. Après, un peu compliqué au niveau de l'ouverture, c'est pas très pratique. La poudre, elle est hyper fine et je trouve qu'elle te floute. C'est un truc de dingue. Ça, c'est vraiment une de mes bestes. Et, ça, je te recommande. Hein. Franchement, elle est vraiment top. Je pense qu'en poudre. Elles sont légères à porter. Oui, on les sent pas. Ah, bronzer, t'as quoi en bronzer? Alors, en bronzer, j'ai le bronzer de chez Guerlain. Donc, celui-ci que j'ai découvert récemment. Je pense que ça fait un moment qu'il est. Le terracotta, c'est voilà, le terracotta. Je pense que ça fait un moment qu'il est sur le marché. Mais moi, je l'ai découvert récemment et j'adore. Ah, t'as pris le mat, t'as bien fait. J'ai pris le mat, c'est soit mat, soit irisé, donc t'as le choix. Mm-hmm. Et j'ai pris le mat et il me convient parfaitement. C'est marrant le packaging. Il est pas tout à fait orangé. Ultra mat, c'est la poudre bronzante effet mat all naturel, longue tenue. Eh, c'est marrant le packaging. Oui, j'ai jamais vu comme ça. Moi aussi, j'ai jamais vu. Bon, c'est pas très pratique. Ouais. C'est pas très pratique, je trouve, parce qu'il faut avoir des ongles, il faut aller taper. Si t'as l'ongle, tu te pètes l'ongle. C'est ça, et quand t'en as pas comme moi, bah tu galères. Qu'est-ce que t'as d'autre en bronzer? T'en as un autre, tu m'avais montré le NARS. Oui, bah le NARS, forcément. J'ai le Laguna. Je voulais montré tout à l'heure en liquide avec c'est le Laguna aussi. Ouais. C'est le Laguna aussi. Oh, et tu l'as tué, elle a tué le miroir. Dans tous les sens. Mais t'as fait quoi? Mais je m'appelle Pierre-Richard, à vrai dire. Donc maladroite, je suis et je serai. Il est, par contre, il est bien. Il est bien. Bronzer. Très pigmenté, très bonne tenue, j'adore. Non, moi j'ai le Marc Jacob, je l'ai adoré. Tu l'as celui-là? Il est canon. Le Tantastic à la coco, je l'adore. Il a vraiment un effet naturel. Il est discret. Il a vraiment ce haut naturel et ça plaît beaucoup. Et ça, il avait fait un carton. Celui-là, il avait fait un carton et je crois qu'il était même en rupture. Là où là chez Benefit on en parle ou pas? Ça c'est un inconditionnel ça. Ça chaque année tu le sors. Ouais, ça franchement je l'adore trop. Hyper pratique, le packaging ils sont petits et tout. Et tu vois moi j'aime le Dallas aussi. Ah oui, si le Dallas. Sinon je l'ai testé mais je l'ai swatché. Voilà, j'aime beaucoup aussi le Dallas. Tiens, je regarderai le Dallas. Dans le même style hein, je crois qu'il est un petit peu plus irisé que ouais, il est plus irisé ouais, que celui-ci. Il est plus irisé, un petit peu plus foncé. Ouais. Mais j'adore le Dallas. Mais pour ma carnation, j'adore le Dallas. C'est une valeur sûre hein. Ou là, c'est une valeur sûre. Et bien sûr, nous avons encore du Too Faced. Je les ai adorés. Là, pas toi, les bronzers, les chocolates gold soleil, ça c'est une tuerie. Il y avait les mat et les irisés, je les ai tous pris, enfin dans ma carnation bien sûr. C'est un bijou, c'est un packaging bijou. Magnifique. Ils sont le chocolat. Ouais. Ce qui est bien avec Too Faced, c'est qu'on a toujours le droit de très bonnes odeurs. Ouais, ils savent comment nous apprivoiser, nous attirer. Qu'est-ce que t'as? Ah, tiens, concealer. Alors, concealer, ça.
concealer, moi. Mon best, ouais, en ce moment. Alors, mon best, c'est le Huda Beauty. Huda, ouais. Forcément. Donc, je prends la teinte Coconut Flex. Ah, moi, je prends. Voilà. Toi, il est un petit peu plus foncé. Un peu plus foncé, mais parce que t'es batte de peau comme moi. Ouais. Après, j'en mets pas énormément, mais c'est vrai que. Faut vite le travailler, celui-là. C'est ça, faut rapidement le travailler. J'ai des cernes, pas énormément. J'ai pas énormément de cernes. Mais... Et puis, je travaille de nuit. Donc, le matin, je vous raconte pas. Donc, je te dis qu'elle est contente d'avoir Huda quand elle se réveille. C'est ça. Bah, avant d'aller au boulot, je mets le Huda et le matin, en partant à la maison dormir, j'ai toujours le Huda. Donc ouais, c'est parfait. Non mais il est hyper couvrant. Par contre, il faut vite le travailler. C'est ça. Tu le poudres ou pas? Oui, je le poudre. T'en as un autre ou pas? Le Nars. Je l'avais, le Nars, je trouve qu'il se termine super vite. Bah, mais je sais pas vous si vous avez le Nars, par contre il est très bien en concealer, mais je trouve qu'il se finit très très vite. Ah, tu l'as en tout petit, c'est quoi que t'as? En tout petit. Alors moi j'ai la teinte Medium Custa. Je crois que je l'avais. Ouais. Il est très bien. Il est très très bien. Il file pas entre les ridules. C'est ça. Mais franchement, c'est ce qui est appréciable. Très appréciable. Il a une très bonne tenue aussi. Mais je trouve qu'il se finit grave vite. Ouais. C'est dommage, tout ce qu'on a, ça se finit trop vite. Le petit là, je pense qu'il m'a fait 2 semaines, même pas. Ah mais oui, mais bon, toi avec les nuits et tout. Et encore, je suis gentille. Mais j'aime bien aussi le petit pinceau comme ça. Ouais, il est bien, il est très pratique. C'est Nars, c'est très très bon produit chez Nars. Moi j'en ai deux, j'ai le Tarte. Tu l'as testé le Tarte? C'est de la bombe. Le Shape Tape, je l'ai en teinte Medium et je l'ai en teinte Light Medium. Des fois je mets deux teintes. Je sais pas si tu fais ça, mais parfois moi je mélange deux teintes. Ça m'arrive aussi. C'est pratique. T'as pas besoin d'en mettre des tonnes. Il est ultra ultra couvrant. Il se travaille bien. Il y en a qui disent qu'il dessèche un peu le contour de l'œil. C'est pour ça qu'il faut bien hydrater votre contour de l'œil. Le contour de l'œil, c'est super important quand il arrive. Hydratez bien. Celui-là, c'est qui dessèche un petit peu, mais par contre, il est juste génial. Dès qu'il arrive en France, sautez dessus. Et j'ai adoré les nouveaux de chez Too Faced. Oui. Le Bondi Swatch, je sais pas si tu l'as, le Super Color. Non, mais super tu l'avais conseillé. Ouais, je te l'avais conseillé et je pense que dès que je finis mon Huda, j'irai prendre le Too Faced. Valeur sûre parce que tu es sur du contour, sur du highlight. Il est vraiment bien en flacon comme ça. T'en as pour un moment. Il est à 29€. Franchement, le concealer qu'il a fait, Too Faced, c'est un best. Je l'ai adoré. Il file pas entre les ridules, tu verras. Il est parfait. Et même le fond de teint, hein, Born This Way, il est pas mal aussi. Ouais, j'adore leurs produits chez Too Faced. Qu'est-ce que t'as pour... Qu'est-ce qu'on peut se faire? Ah, blush, t'as des blushs ou pas? Yes. Yes, elle a des blushs. Yes, baby. Yes, guys. Yes, guys. Yes, guys. What's up, you guys? C'est la fille qui s'entraîne. Oh, l'accent. What's up, guys? What's up, guys, today? On va se calmer, hein, tu vois. Oui, on va se calmer. Alors, en blush, j'ai le Nars, voilà. J'ai le Nars. Le Love Joy que j'adore. Parce qu'il est irisé aussi, celui-ci. Je devrais le prendre, j'avais peur que ça faisait trop foncé, moi, en blush. Putain, j'aurais essayé. Écoute, non, bah, tu vois, je le porte aussi aujourd'hui. Je vais l'essayer. Il faut pas avoir la main trop légère. Il est beau, hein. Très, très belle. Très, très beau. Très beau blush. Bah, moi, je te rejoins encore chez Nars. Et moi, j'ai la teinte Orgasme. Ouais, il est très joli. Il est magnifique. Tu le portes tout le temps, avec tous les make-up. Très beau rose. Valeur sûre, et ça, je pense que c'est vraiment un carton plein qu'ils ont fait dans ce blush. Orgas, c'est une tuerie. Ils sont géniaux. Ouais. J'aime bien le packaging. Je trouve qu'ils durent longtemps. Autant ils ont autant de blush mat que de blush irisé. Ce qui est pas toujours facile dans des marques de trouver des mecs qui cherchent des blush mat. Et je sais pas si t'as remarqué, mais c'est pas évident. Ou t'as beaucoup de paillettes dedans, ou t'as pas mal d'irisé. Nars, je l'ai acheté au mois de juin. Ah ouais, en effet. Oui, et des blushs, t'en mets pas des tonnes. Voilà. J'en mets pratiquement tous les jours. Pas vraiment. Franchement, ils sont top. Top de chez top. Moi, j'ai le pitch parfait de Too Faced. Oui, encore de Too Faced. Elle aime bien, mais moi, je suis une dingue. C'est une tuerie. J'adore avoir un blush un peu pêche, je sais pas toi. Oui, mais c'est sympa. Tu l'as jamais mis. Et ils sont trop bons. Ah, t'as mis, ils sont trop la pêche. Ils sont trop trop bons. J'adore. Il est bien pigmenté. Hein. Il avait fait aussi un bon petit carton celui-là. J'adore. Et un dernier. J'adore Laura Mercier. J'ai découvert les blushs chez Laura Mercier. J'ai pas encore eu l'occasion de découvrir. Et c'est de la bombe. Elle a fait une multitude de teintes en blush. Là, j'ai le peach. C'est une belle couleur. Et je peux te dire qu'ils sont pigmentés. Là, par contre, faut y aller mollo. Et ça, c'est aussi une valeur sûre. Les produits de Laura Mercier, teste-y surtout la poudre. Tu verras, c'est pour le teint, tout ça. Ça a l'air d'être pas mal. Hein. Carrément. Qu'est-ce que t'as? Tiens, bah mascara. T'as un mascara ou pas? T'as adoré? Moi, c'est simplement le Sephora. Ah ouais, t'as adoré celui-là? J'ai adoré celui-ci. Donc c'est le Outrageous Volume. Je l'adore. Bon, la brosse, elle est assez. Ouais, je l'ai pas. Voilà, assez grosse tasse. Soit une toute petite brosse, soit celle-ci. Et franchement, j'aime, j'apprécie. Il t'a pas fait des paquets ni rien? Non, franchement, j'ai apprécié. J'apprécie celui-ci et ça fait un petit moment que je l'utilise. En tout cas, 2018, c'était mon mascara. Ouais, t'as utilisé que celui-là. T'en as pas racheté d'autres. Bah, j'ai utilisé Chanel. Mais... Chanel, très bon. Il est Volume il est Chanel, pas mal. Il est excellent. Mal. Bah, moi, j'ai le Too Faced. Et le Better Than Sex, attends, il te fait des cils de fou, quoi. Enfin, moi, je sais que j'ai pas, là, j'ai pas de faux cils ni rien. Quand tu le travailles bien, t'as pas de paquets sur les cils. Ça, c'est vraiment un de mes préférés.
mon style, donc ça fait... Ouais, toi aussi, ouais, ça fait tout de suite un joli volume. Après, j'ai beaucoup aimé le Bad Gal de chez Benefit. Oui, aussi. C'est deux mascaras super. Vraiment que j'ai adoré. T'as pas 36 000 mascaras que t'aimes, c'est un market, t'as toujours un best. Teste-le, ouais, un jour. Voilà, niveau mascara. Ensuite, pour qu'est-ce que t'as d'autre, toi? Peut-être pour les sourcils ou quoi? T'as un alors, truc, sourcils, oui, grâce à Charlène. Donc, elle m'a fait découvrir, parce que moi, j'étais à la ramasse sur les sourcils. C'était une catastrophe. Super voilà. Important, les sourcils. Hein. Super important, effectivement. Et elle m'a fait découvrir ce produit de chez Benefit. Donc, qui est le... Si je le mets à l'envers, ça va pas aller. Precisely My Brow Pencil. You're very good. Une tuerie. Donc, ouais, je l'ai en teinte 4. Je ne veux pas avoir des sourcils trop foncés. Elle a raison. Trop noirs. C'est voilà. Pas joli, de toute façon. C'est pas le but. Parce que je crois qu'il va jusqu'au 6. Hein. Il va jusqu'au 6. Voilà. C'est violent, le 6. Hein. Et donc, le 4 me convient parfaitement. Moi, je suis entre 4... Non, pas, je suis 4,5. 4,5. Ouais. Ouais. Bah, je te rejoins. Hein. J'ai la même chose. Moi, je l'ai aussi en hein. Comme ça. J'ai le Cabron. De toute façon, toute la série de chez Benefit en sourcils, ils sont géniaux. J'aime le travailler avec celui-ci aussi. Ah, il est bien. Tu Anastasia, sais, le Anastasia Beverly ouais. Chocolate ouais. Brow Powder Duo. Il est trop bien. Ça. Ah, je crois que j'ai les mêmes teintes. Ouais, bah tu vois. Mm. Il est super. Par contre, en soirée ou quand il y a un événement, etc., je mets les deux. Mais tous les jours seulement. C'est pratique. Hein. T'as là, c'est le tracé et tout, c'est hyper pratique. C'est hein. Hyper pratique. Ah, rouge à lèvres. Allez, je commence avec les rouges à lèvres. Oh là là, change de carton. Change de carton. Rouge à lèvres. J'ai adoré les Huda Beauty, les demi-mates. J'adore, je porte aujourd'hui. C'est une tuerie. Je partage ton avis. Je partage ton avis oui, comme ça. Oui, oui. Ils sont géniaux. J'adore la texture. Pas cet effet collant, désagréable. Ouais, tu vois. Ouais. Tu l'as en quelle teinte? Alors, celui-ci, c'est le Lady Boss. Et moi, le Death Layer. Elles sont parfaites, les couleurs. C'est nude, c'est joli. C'est nude, c'est un marron. J'adore les couleurs nude, tu le sais. Ils sont géniaux. Je vous les recommande. Les couleurs sont hyper belles. Toi, tu les adores aussi. Et puis, la texture. La mais texture, ouais. Il est hyper confortable à porter. Il fait pas de paquet. Non, du tout. Ouais, j'adore. Je trouve qu'il fait un joli rendu sur les lèvres. Il fait un peu pulpé, tu sais, et on a. Genre, j'ai fait ça, de collagène. Non, je trouve qu'il fait vraiment des belles lèvres. C'est ça. J'ai fait des injections. J'adore également les Sephora, les sans transfert. Je pense qu'on va tous se rejoindre là-dessus. À 10€ le lipstick, ils sont géniaux. Il y a une multitude de teintes et je les trouve vraiment fantastiques. J'en ai pas apporté, mais j'en ai énormément. T'es d'accord, aussi. Ils sont bien. Ouais, super. Super aussi. Et puis, rapport qualité-prix, il n'y a rien à dire. Bah, grave. T'as quoi d'autre, toi? Alors, en parlant de rapport qualité-prix, moi j'ai les NYX que j'affectionne. Et que je vais me prendre, parce que ma fêtée, c'est le NYX. Ouais. Donc celui-ci c'est une nouveauté chez NYX, c'est le Suède, donc rouge à lèvres mat. J'ai la teinte Free Spirit, il est terrible. Et il est hyper agréable à porter, hyper léger, on le sent pas. Puis il a cette texture un petit peu velours, je sais pas si t'as remarqué. Elle me l'a fait tester, il est hyper agréable. Sinon ils ont leur lip mat aussi qui sont hyper bien, hyper agréable à porter. Ils font pas de paquets, enfin ils s'effritent pas, moi j'aime pas les sans transfert, les mats. Ouais je vois ce que tu veux dire. Elle est belle la teinte, une gamme qui avait bien marché, c'est NYX. C'est très très bon NYX en produit. Ça fait pas longtemps qu'ils les ont sortis. Ouais, ceux-là, ouais. La gamme c'est avec le cœur. Parce qu'il y avait les Suèdes, mais en un petit peu plus gros. Ouais, je les ai vus un peu plus gros. Voilà. Mais ça reste accessible, vous voyez. Au niveau rouge à lèvres, on n'a pas envie de mettre des 20€, ce que je peux comprendre. Certaines personnes n'ont pas envie de mettre 20€ dans le lipstick. Tu vas chez NYX, tu jetais quand même pas mal de. Il y a de la qualité, franchement. Mais grave. Une super qualité. Et je crois qu'ils valent 6,90€, quelque chose comme ça. Pas cher. Voilà, c'est donné. C'est vraiment pas cher. Tiens, je vais me le prendre celui-là en Suède, tu vois, tu m'as fait penser. Qu'est-ce que t'as d'autre? Bah écoute. T'en as d'autres là, je vois, t'en as plein d'autres. En fait, elle sait pas comment choisir, encore autant de dire. Et pourtant, j'ai fait un choix. Et je pense qu'on va se rejoindre toutes les deux. Le Peach Perfect de Too Faced, c'est des tueries. Tu l'as en quelle teinte toi? Alors écoute, je l'ai en plusieurs teintes, mais celui-ci c'est le Sex on the Bench. Ah bah je l'ai aussi, regarde. Ça c'est celui-là que j'ai acheté à Londres. Voilà. Et toi, c'est Sephora. Ouais, c'est faux. Parce qu'ils ont changé le packaging. Mais ils sont géniaux, t'as vu. On a pris la même teinte là. Ouais, garde. Voilà. On n'est pas copines pour rien. Hein. C'est ça. Et autant te dire que je trouve que la texture est méga grave. J'ai l'impression que t'as un baume sur les lèvres et il t'hydrate parce qu'il faut savoir qu'il est très hydratant. Mais c'est ce que j'aime chez Too Faced justement pour leurs produits lèvres. D'ailleurs, j'en c'est ai un. Tuerie. Celui-ci. Ah, je l'adore, la série Peach. Sweet Peach. Exactement. Hyper hydratant, hyper agréable à porter et l'odeur, mais c'est. T'as vu? Agréable. C'est dingue. Tu les boufferais. Ah, grave, enfin, mais il est excellent. Hein. Mais on les voit plus en été, je trouve. Ouais, je trouve aussi. Ouais. Après, tu peux le cumuler avec un autre rouge à lèvres. C'est ça. Moi, qu'est-ce que je peux vous montrer? J'ai des bases matifiantes, je sais pas si tu as. Moi, j'aime toujours celle de chez Benefit, la porte professionnelle, elle est géniale. Moi, j'en mets beaucoup sur la zone T, là vers le nez, là. Voilà, tous les trucs qu'on a envie de camoufler. Mais ça, je sais pas, toi, c'est une valeur sûre. Oui, tout à fait. Je l'ai aussi. Sinon, je change de carton.
Regarde, il y a la petite aussi. Bon, ça c'est un échantillon. Ah oui, alors celle-ci elle est plus pour le glow. C'est ça. Ouais. Et je l'aime bien aussi celle-ci. J'en avais une autre, mais j'ai beaucoup utilisé la Benefit et la Herborian, voilà. Comme toi. Voilà. Herborian, donc le soin matifiant visage et fait flouter, il est canon. Il est terrible. C'est franchement vrai, j'adore. Je vous parlais de glow tout à l'heure quand je mélangeais avec mon fond de teint. Ça, je te recommande aussi, ma chérie, quand ça va sortir. Rainforest of the Sea, qui sont des gouttes d'éclat que je mélange ou que je mets avant mon fond de teint. C'est de la bombe. Ouais. Ça sent super bon. Et j'ai la Coco Prime de chez Hello Body. Et ça, c'est un produit qui m'était envoyé de leur part. J'ai adoré. Pareil, je le mets avant mon fond de teint. Et j'adore avoir l'effet un peu glow. Moi, je sais pas toi. Le teint pour moi est très important. Et ça, c'est vraiment des choses que j'adore en éclat. T'as autre chose, toi, en éclat ou pas? Bah oui, justement, grâce à toi. Encore une fois. Donc, le Glow Elixir. Le Glow Nectar de chez Becca. Une tuerie. Grave, comme je t'ai dit, je te l'avais dit. Donc voilà, je le mélange aussi avec mon fond de teint. Et franchement, il n'y a rien à dire. Ça donne un effet glowy, comme tu disais. Et l'odeur, on en parle. On en parle de l'odeur. C'est ça. Je t'ai dit un peu. Voilà, une tuerie. Moi, j'aime bien. Hein. J'adore. Et t'as vu ce que ça t'apporte? Non, t'as pas cet effet boule à facettes. Ça, c'est pas trop fort. Et même l'odeur. Je sais que moi, le melon, j'en suis pas super fan. Mais comme ça, ça passe. Ça reste super pas. Bien, c'est tu ça. Tu avais dit que t'allais adorer. Hein. Bravo. Je sais plus combien il était en prix. Je crois qu'il était à 42€. T'as fini niveau make-up, mais reste du soin. Je sais pas toi. Ah ouais, des maquillages, tu peux en parler. Ouais, mais on a le même ensemble, tu peux dire. Pareil, on a le même. Voilà, on utilise le même, le Sephora. Donc, c'est le super démaquillant yeux waterproof à l'extrait de bleu. À l'exprès. Il est trop bien biphasé. Il est hyper doux. Enfin, moi, je l'adore. Tu le prends petit? Moi, je te prends toujours en gros. Ça dépend. Bah, c'est tout, dépend. Tout ce qu'on a démaquillé le soir, je t'annonce. C'est moi, je prends le big. Et il a 8€. Il est pas cher, 8€. Bon, on continue. Voilà. C'est la même chose. Ah, c'est terrible. C'est super. J'adore ces lingettes. Ah, c'est bien. Hyper pratique. Elles sont pratiques. Elles démaquillent bien. À la rose. Et j'aime pas trop, tu sais, les odeurs de rose. Ah ouais, j'ai pas vu. Elles sentent bon, celle-ci. Elles sentent super bon. Elle est très légère. Elle fait pas mal à la tête. Tiens, tu sens un bouquet de rose, mais carrément. T'as vu? Ah ouais, j'adore. Ouais. Super. Je suis sur les agrumes plutôt. Ouais. Qu'est-ce que j'aime? Moi, pas dire, je peux parler un peu de gel douche. Alors, moi, j'ai le cottage. Trop bon, cerise noire et pistache. Douche lait hydratante. Tu aimes, toi, les produits cottage ou pas? J'adore. J'aime le cottage caramel. Ah ouais, le caramel. C'est une tuerie. C'est frais de cerise et pistache. C'est ça. On a vu la pistache. Voilà. Et attends, moi, j'en ai un autre. C'est ça, Nana. Il avait fait avec Dop. Et j'adore parfum Barba Papa à la fraise. Ouais. C'est une tuerie. Je l'ai senti tout à l'heure. Il sent hyper bon. Il sent hyper bon. C'est bon. De le tester. Ouais. Pour se racheter, hein. J'ai hâte de le tester. Oh là, c'est vraiment on dirait vraiment la Barba Papa. Ah, ça va, elle a fait un bon petit dop en édition limitée. Il y a encore, j'ai trouvé à Corinne. Voilà, pour la douche, j'ai des amis qui m'ont offert. Donc, c'est la roulotte à savon, un serrier en chotane en Savoie. La roulotte à savon. Voilà, donc c'est une femme qui fait des savons bio. Et franchement, j'ai été agréablement surprise. C'est marrant, la poudre comme ça. Ouais, c'est une poudre. Donc, tu prends une petite noisette que tu frottes à ta fleur de douche, ça mousse tout de suite et c'est canon. Il n'y a pas de produits chimiques. Et tu te transformes en fraise. C'est ça, en fraise. Et puis celle-ci, à la pêche, elle est canon. Mais c'est une texture un peu en... Quand tu y prends, ça mousse tout de suite. Oui, ça mousse tout de suite. Tu prends une noisette, tu la frottes à ta fleur de douche et ça mousse. Oh, ça tuerie. Ouais, elle incite. J'essaierai de vous mettre les produits en barre d'infos. Tu vas bien t'amuser. Je pense que je vais m'éclater. Je vous mettrai en barre d'infos si je trouve. Donc ça s'appelle la roulotte à savon. Et tu vois, il y a un .fr, donc on peut y trouver, je pense, sur internet. Oui, tu peux commander directement sur internet. Bonne découverte, hein. J'ai pas besoin d'aller jusqu'à là-bas. Ah bah si, pour un petit tour. C'est ça, en Savoie. Donc en gel douche, j'ai le Lush à vous présenter. Donc le Sleepy. Moi, j'aime bien me doucher avant d'aller me coucher. Il y a des personnes que ça stimule, que ça réveille. Moi non, mais en tout cas, le Sleepy à la lavande et à la fève tonka. Donc j'aime pas vraiment la lavande, mais le mélange avec la fève tonka, je trouve que c'est agréable. Spécialement. Ouais. Moi, je suis pas lavanda. Ouais, mais moi aussi. Mais avec la fève tonka, je trouve que c'est top. Après, il faut vraiment que tu l'appliques sur toi là. Comme ouais, t'es vraiment que sur quelque chose de relaxant, quoi. C'est relaxant, c'est hyper relaxant. Et ils ont fait aussi la crème pour le corps avec. Donc Lush, j'étais allée à la Pardieu. Franchement, rien à dire. Ouais, je teste. Produit fait par Engie. Ah oui. Alors, elle a été produit fait par deux gens. Donc en fait, il y a une petite pastille. En fait, quand elle achète son produit, la personne, je pense, qui te sert. Tout à fait. Colle en fait sa photo, mais c'est excellent, ça. Ouais, sa petite vignette et puis. Fighting Animal Testing, donc non testé sur les animaux, c'est vraiment des produits. Ouais, ça c'est top. Ouais, de super produits. Écoute, je testerai, mais pas à la vente, je kiffe pas la lavande. Ouais, mais tu t'essaieras celle-ci. Ouais, j'essaierai celle-ci. Vous nous direz, mais je pense que c'est pas mal à tester aussi les produits Lush. Ouais, et puis leur exfoliant. Alors ça, par contre, j'ai testé l'exfoliant. Ouais, ils sont canons. Bon produit aussi chez Lush. Merci. Hein. Et puis les bombes de bain, on en parle. T'as testé les bombes de bain? J'ai pas de baignoire. Ah oui, je suis à l'hôtel. Tu iras chez moi.
Moi, je vais venir prendre un bain chez toi. C'est ça, moi, c'est quoi, deux baignoires. Ah, c'est quoi, c'est juste, je pense que je reste une heure. Hein. Voilà. Je vais acheter ça. De toute façon, c'est prévu. Elle va rester dans la baignoire, je pense. Voilà. Je ne verrai pas Charlène. Elle ne verra pas. J'ai une huile, moi, pour le corps. Mais Tissa ne connaissait pas, c'est la marque My Spa, Déborah Huile Mangue, qui est en fait la meilleure ouvrière de France esthétique. Elle a une page aussi, je crois, sur internet. Je vous mettrai aussi pareil en barre d'infos. C'est une tuerie. Elle fait gommage pour le corps. Elle fait toutes les senteurs un peu exotiques. Huile pour le corps, gommage, crème pour le corps, c'est de la bombe. Moi, j'ai souvent les jambes sèches et je peux te dire que ça, j'aime bien me mettre de l'huile sur mes jambes. C'est une tuerie. Bah, la prochaine fois que j'achète toi, petit cadeau, je te ramènerai des produits. Merci beaucoup, ma chérie. Et ça, par contre, c'est des bons produits. Ouais. Ils sentent divinement bon. Hein. Ouais. Je l'ai senti tout à l'heure, franchement. Je trouve à Evian, à l'Institut Bail. Julien, si tu m'entends. Moi, ce que j'aime pas sur les huiles, c'est qu'il y en a certaines qui te laissent un film gras. Oui, je vois ce que tu veux dire. Moi, j'aime pas. Mais celle-ci, non. Tu verras, c'est une tuerie. Ouais. Bon, bah voilà. Ensuite, nous allons parler Brésil. Ça, je l'adore. C'est la brume parfumée, vous le savez, qui était sortie en gros et j'ai pas pu résister. Ça, l'été, tu te mets ça, tu sens divinement bon. Même avant de te coucher, moi, j'adore me mettre de la brume. J'adore. Oh, je rentre dans le lit et tout, je dis, je me lasse. Oh, qu'est-ce que je sens bon, je dis agréable. C'est agréable, tu parfumes tes draps, tu parfumes ton homme. La totale, c'est agréable. Divinement bon et on se rejoint tout près de... C'est ça. Elle est top cette crème. Elle est magnifique. Magnifique et puis je trouve qu'elle a une très très bonne tenue, elle hydrate hyper bien. Moi j'ai la peau sèche au niveau des jambes. Comme moi en fait. Ouais, c'est ça, c'est pareil. On est... Comme on fait. Elle adore. C'est... Et je crois qu'elle est, en gros, hein. Tu peux la prendre oui, en gros. Oui, elle est en gros. Et je pense aussi, que je vais m'acheter gros. Hein. Oui, moi aussi. Bon, on va continuer avec nos soins. Allez, on est parti pour les soins. Alors moi, qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors moi, chez Glam Glow, t'as testé? Non. Le masque soin anti-pore, c'est de la bombe. J'ai encore utilisé ce week-end. Prends-toi les 60 secondes. Mm-hmm. Attends, mais là, vraiment, c'est la zone où t'as vraiment pas mal de pores, la vallonnée ou quoi. Il resserre les pores. Ouais, il resserre. Ah, il resserre super bien. Je l'ai beaucoup aimé. Les 60 secondes, c'est réel. Oui, c'est réel. Ouais. Franchement, il est trop bien. Qu'est-ce que t'as toi aussi en soin? Alors moi, en soin, donc j'ai le sérum de chez Power Formula GF Effector, donc je crois que c'est une marque coréenne. J'ai eu la chance d'avoir ça dans ma Beautiful Box parce que je suis abonnée à la Beautiful Box. Si vous connaissez pas, c'est un abonnement mensuel, donc c'est à peu près 20€ par mois. Et on reçoit tous les mois une box avec plein de produits de beauté, de soins, etc. Mais c'est cool ça. C'est cool et franchement, c'est souvent une valeur plus importante que ce que tu mets toi dans ton abonnement. C'est pas mal. Par contre, on choisit pas les produits, c'est vraiment pour découvrir. Et j'ai découvert ce sérum qui est canon. J'adore. C'est quoi? C'est un sérum pour hydratant. Le soir. C'est un sérum hydratant que tu peux mettre le matin, le soir. Et il sent bien. Bah moi si, moi je trouve qu'il a une odeur. Tu vois. Bon, Tissa, elle est pas très forte pour les autres. J'ai un problème d'odorat, mais tout va bien. Non, il y a une odeur, Paulette. Mais en tout cas, moi je l'apprécie. Au niveau de ma peau. La texture, elle a l'air m'attirée, moi. Et il est hyper frais. Hyper frais, c'est un espèce de gel en fait. C'est un sérum. C'est 10€ et quelques. Juste le petit flacon. Juste flacon, 10€ et quelques, il me semble. D'accord. D'après ce que j'ai pu. Je mettrai peut-être en barre d'infos, j'irai consulter sur internet. It Skin, top. Il rafraîchit. Moi j'adore les produits hydratants. Les produits coréens, c'est génial, les produits coréens. Ils sont forts pour la peau. Moi j'ai quoi? J'ai pas mal de petites crèmes. J'ai beaucoup aimé la gamme Origine. T'aimes bien Origine? Ah, oui. J'adore. Je mets souvent ça le matin, le gel hydratant booster. Pareil, c'est juste top pour réveiller ta peau, donner ce petit coup de boost. Quand tu te regardes le matin dans la glace, bon, tu te dis par quoi on commence? Bon, on commence à se booster. Et ça, j'adore. L'odeur, elle est divine. J'aime bien le vert aussi. Ouais, le vert. Il est canon aussi. Oh, ça sent l'orange. T'as vu, c'est une tuerie. Et vraiment, c'est une très belle gamme, très très bon produit. Je continue dans les gommages. Tu me diras ce que tu as, toi, Tissa. Moi, j'ai la gamme Fresh. J'adore les produits de chez Fresh, même s'ils sont un petit peu plus chers. Mais je trouve qu'ils ont vraiment un effet immédiat. J'ai le Sugar Face Polish. En fait, il y a des petits grains dedans de cranberry. Ça, c'est une tuerie. Le gommage, il te lisse la peau. C'est une tuerie. Les produits de chez Fresh, que ce soit les baumes à lèvres et tout, j'adore leur gamme. T'as testé? J'ai jamais testé. Fraîche. Ah, t'as jamais testé? Et franchement, teste un Tissa. J'ai hésité longuement, mais je pense que je vais tester en tout cas celui-ci. Il a une odeur. Teste ça. Moi, j'ai la lotion aussi aux pétales de rose. Franchement. Vas-y, regarde les grains. Parce que moi, j'ai une peau, j'aime pas les trop gros grains, tu vois. Bah, moi, c'est pareil. Ça t'arrache pas la peau. T'as juste odeur? Vivine. Et franchement, génial. C'est vrai que c'est crème hydratante. Ah ouais, j'aime pour le corps. Toi, t'as la Bum Bum et la Coco Cream. Donc, tout le monde n'aime pas cette crème. Moi, je l'adore. Ça fait un bon moment que je l'utilise. Elle est hyper hydratante. Elle a une odeur. Et le body, ça
Et elle a pas une odeur trop forte. J'adore. C'est vraiment une fine odeur de coco. Yaourt à la noix de coco. C'est les perles de lait. Ouais, exact. La perle de lait. Oh, j'adore. Je vais me la prendre. Ouais, mais prends-la. Je te la conseille fortement et je la recommande fortement. Et je pense, comme t'as les jambes aussi desséchées comme moi, je pense c'est une crème qui peut me correspondre. Ouais. C'est pas évident de trouver, hein. Foncez. Si vous avez la peau sèche, foncez. Combien t'as payé le pot? 195 ml. Je crois que je l'ai payé 30 et quelques. Oui. Ouais, non, ça vaut le coup. Puis j'avais un code promo, donc ça aussi. Ouais, il y a souvent des codes promo sur le site de Hello Body, j'ai vu. Très souvent. Qu'est-ce que j'aime, moi? Bah, on peut continuer avec Hello Body. Moi, je fais super attention à mes lèvres parce que je trouve que quand tu portes un rouge à lèvres ou quoi, puis t'as des trucs ou quoi, c'est pas spécialement beau. Gommage pour les lèvres de la marque, pareil. Les Coco Kiss de chez Hello Body, je passe à tester, c'est dans la gamme. Je te les recommande, c'est une tuerie. Donc le lip scrub, je regarde, génial. Et le baume à lèvres, il est ultra riche. Donc moi je le mets le soir parce qu'il est vraiment très très riche. Et je peux te dire que t'as des lèvres de dingue. Enfin, aussi. Je surkiffe ces deux petits produits. C'est eux qui me les ont envoyés et franchement j'ai adoré quoi. J'aime beaucoup les produits Hello Body, moi, franchement, j'aime beaucoup. First and Beauty, c'est une marque qui est sur Sephora France. Ça, j'ai kiffé, c'est une crème à l'eau de coco que je mets le matin. Tout dépend ce que je mets, où je mets lotion, où je mets crème. C'est à l'eau de coco, j'aime beaucoup leur gamme. Vous le savez, je vous en avais parlé déjà en Insta Story. C'est une crème qui vous apporte une hydratation. Et comme c'est à l'eau de coco, c'est une texture un peu gel crème qui me permet vraiment de booster ma peau. Donc, soit je suis avec l'origine, soit je suis avec celui-ci. Et je te jure, c'est vraiment une très bonne gamme chez eux. Et franchement, j'adore. Ils mettent hypoallergénique, sans parfum artificiel. C'est une très très bonne marque. Franchement, First and Beauty, je vous recommande. Elle est hydratante. En fait. Très hydratante. Ouais. J'ai aussi dans la marque Pure Altitude, j'en parlais à Tissa tout à l'heure. C'est un gommage flocon de céréales. Pure Altitude, si vous connaissez pas la gamme, je vous en avais déjà parlé. Moi, je le prends à l'Institut by Julien. Il y a un site internet, vous pouvez trouver les produits. Je vous l'ai fait ce week-end, mais la peau, elle est tellement douce. Bah, je vais commander sur le site parce que je l'ai déjà testé un petit peu tout à l'heure et elle a une odeur. De dingue. Et les grains sont hyper fins. T'as vu, c'est fin les grains. T'as l'impression que c'est hyper épais, mais pas du tout. Et la texture, waouh, fondante et tout. C'est comme un adoucissant. Enfin, vous avez une peau nouvelle quoi. Franchement, Pure Altitude, la gamme est géniale. Je continue, j'ai bientôt terminé au niveau crème. Alors moi j'utilise en crème, tu me diras ce que t'as toi, Tissa, en crème pour le soir. Clarins, je pense qu'on va se rejoindre, elle en a une. C'est la Extra High Firming Nuit qui est une crème régénérante anti-rides. On est sur l'anti-rides, ben, oui, je n'ai plus 20 ans. Donc bien sûr, ça va pas enlever les rides, mais ça va me permettre d'hydrater et d'atténuer un petit peu tout ce qui est petite ridule. Et honnêtement, la gamme Clarins est très très bien. Et chez Dior, la Capture, elle est trop bien, la crème antioxydante. Je l'adore. Faudrait que je teste aussi. Ça, franchement, ouais, celle-ci je la connais, je l'adore. Tu verrais la texture et tout, elle est fabuleuse. Cette crème, elle est vraiment top. Pour les cheveux, moi j'ai le Kérastase, mais tu peux montrer. Mais Kérastase, c'est bien aussi. Ah, si. Pour les cheveux, j'ai une marque que j'utilise depuis une année. Ça s'appelle Keun. C'est une tuerie. Donc je l'achète chez mon coiffeur à Chambéry, mais je pense qu'il y a pas mal de salons de coiffure qui l'ont. Je sais pas si ils ont un Keun. Et franchement, c'est une tuerie. Donc bon, là j'ai apporté l'après-shampoing, mais il y a le shampoing. C'est allemand? Non, c'est hollandais, il me semble. Si je dis pas de bêtises, c'est hollandais. Et c'est des produits qui sont sans parabène, sans silicone et sans sulfate. Ils sont très hyper sans le masque. Hyper naturel, c'est hyper. Nourrit les cheveux secs, endommagés, ouais. C'est pour nous ça. Ouais, carrément. Et je trouve qu'il fonctionne. Ça fait un an que je fais la cure. Un an ? Et j'ai été blonde. Arrête ! Mais oui. T'as été blonde ? Oui, mais tu m'as vu, mais t'avais pas capté. Tu te montres une photo ? Oui, je te montrerai une photo. J'ai été blonde avec les pointes polaires. Mais j'en ai eu marre. Blonde, voilà. Donc, imaginez l'état de mes cheveux. La catastrophe. Donc, Keun, ça rattrape bien les dégâts. Franchement, c'est quoi ? Je testerai. Moi, je termine avec ma brosse Clarisonic. Ça, c'est un truc qu'il faut avoir. Honnêtement, la Clarisonic Mia 2, j'utilise une à deux fois par semaine. Et honnêtement, bah, ça t'enlève pas mal de choses, quoi. Ça te fait beaucoup de bien. Et t'as des petites vibrations. Et tu laisses et tu mets en fait ton soin, ton nettoyant, ça te nettoie le visage. Ça se nettoie super bien, ça se dévisse. Pour échanger la petite goupille là, ça se change à peu près tous les 6 mois, moi je dirais. Mais génial. Et un petit massage facial avant d'aller se coucher, c'est pas mal. Ouais, quand on n'est pas trop fatigué, quand on n'est pas trop crevé. Voilà, moi j'ai fait le tour, toi aussi? Oui. Et ben voilà les amis, on a terminé avec la vidéo Beauty Awards 2018. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Ouf, on y est arrivé. Je sais pas combien de temps va durer la vidéo. L'essentiel pour moi était de faire cette vidéo avec Tissa. Il faut savoir que Tissa, je l'ai rencontrée il y a maintenant 2 ans. C'était vu à une soirée gold. Voilà. Et on a tout de suite sympathisé, il y a quelque chose qui passe, il y a quelque chose de très très fort. Et on a voulu se revoir et pour moi, c'est comme si je la connaissais depuis je sais pas combien de temps, il y a quelque chose qui nous lie. Ouais. Et j'ai voulu qu'elle soit sur ma chaîne aujourd'hui. En vidéo, donc merci Tissa d'être venue aujourd'hui partager tes petites beautés parce que ça fait d'elle une belle personne, ouais, et je l'aime énormément. Un plaisir pour moi de passer sur ta chaîne, voilà. Ouais, c'est trop cool. Et Charlène, voilà, c'est une personne qui est formidable. Elle est super, elle est pleine de vie, elle a un caractère mais magnifique.
me faire pleurer. Voilà. Et comme vous la voyez dans ces vidéos, comme elle est dans la vraie vie, elle est égale à elle-même. Je crois que ça sera le mot de la fin. On se dit à bientôt. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu et à vous abonner là. C'est juste là. Abonnez-vous. Il y a de la bonne humeur. Si vous voulez revoir Tissa en vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire. N'hésitez pas aussi à me dire quels sont vos Beauty Awards 2018. On veut tout savoir. D'ici là, on vous fait des millions de bisous et on vous dit à très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao. Ciao, ciao.